Je pense qu'il y a une porosité dans euh, mon approche de la fiction euh, avec le documentaire. Ça, c'est évident parce que je, mon désir de cinéma, il est vraiment venu de, du documentaire. Euh, je, dans ce film-là, ça se traduit par plusieurs choses. Le, la plupart des comédiens sont des comédiens pas professionnels qui jouent euh, des rôles qui sont très proches euh, dans le film de ce qu'ils sont dans la vie. Et du coup, il y a une grande porosité en fait entre euh, leur vie et euh, la fiction. Après, dans le travail d'écriture, euh, il y a eu un moment où j'ai éprouvé le besoin de m'éloigner euh, de de ce qui la réalité pure pour euh, euh, la transformer, déplacer euh, les enjeux. Euh, je pense que ça ça a eu plusieurs bienfaits, notamment. Euh euh, de ne pas être trop trouble avec les comédiens sur ce qu'était le, 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 la vie et ce qu'était le film. Tout l'art, à mon avis, du documentariste, c'est de créer des dispositifs euh, formels dans lesquels euh, va se passer ce qu'il a à filmer. Et, euh, et ce processus-là, j'essaye je de le conserver par moments en fiction. Il y avait la volonté de, 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 de sortir du naturalisme, en fait, sur le film. C'était vraiment. Euh, euh, une, une ligne que je voulais développer pour euh, ne pas être juste dans la captation en fait, de ce qui se passe ou ne pas donner l'impression qu'on était juste dans la captation. De donner à, à toute cette histoire une forme qui lui permette euh, de se développer dans toute son ampleur. Un des autres axes était un axe qui est un axe plus euh, cérémoniel, on va dire. Le film, pour moi, est comme une cérémonie, euh, comme une liturgie, en fait. Il y a. Euh, C'est l'histoire d'un jeune homme qui, euh, qui grandit, qui devient un homme, et dans ce passage à l'âge adulte. Euh, je voulais m'approcher d'une forme un peu euh, de, de parabole. Euh, les récits d'initiation, les récits de voyage en Océanie, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, ils sont également très chrétiens. Et du coup, il y a une sorte de, de, de rapport à la Bible comme ça qui est extrêmement important dans la culture, que je voulais conserver en fait dans l'esthétique du film et dans l'écriture.